Bonsoir à tous, bienvenue à l'Albi Stadium, bienvenue à Alcor pour ce choc 100% européen dans ce groupe entre l'Espagne et l'Allemagne. L'Espagne, qui aucune victoire serait qualifiée, l'Allemagne au pied du mur, doit impérativement gagner au fur et à mesure pour rester en vie dans cette Coupe du Monde. Sinon, c'est un retour au bercail comme il y a 4 ans, ce qui serait une véritable désillusion pour les Allemands. Place aux hymnes. Avec Simon dans le but. En défense, Alba, Laporte, Garcia et Carvajal. Au milieu, Pedri, Busquets et Gavi. Et en attaque, Olmo, Asensio et Torres. Comme vous voyez, Alvaro Morata est encore sur le banc. Dans quelques instants, la composition des Allemands qui doivent impérativement faire un bon résultat ce soir, sinon c'est le retour en Allemagne dès le deuxième match. La composition de l'Allemagne avec évidemment Neuer dans les buts. En défense, Raum, Rudiger, Kehrer et Süle. Au milieu, Goretzka, Kimmich et Gundogan. Et en attaque, Musiala, Müller et Gnabry. Qui réussissent à aller sur le banc. Assez surprenant vu que c'est comme ça. D'ailleurs, Müller, bien sûr. L'Espagne sera qualifiée en cas de victoire. L'Allemagne doit impérativement gagner au fur et à mesure pour rester en vie dans cette Coupe du Monde. Sinon, ce sera l'élimination dès la deuxième journée. Ce serait la deuxième fois d'affilée après 2018. Que les Allemands se feront éliminer en poule. Attention, cherchez Boussier, là, c'est bien défendu par Camaral avec Simon. Oh, la mauvaise relance! Et l'ouverture du score de l'Allemagne de Thomas Müller sur une énorme erreur de Unai Simon qui a relancé dans l'axe. Combien de fois va-t-il falloir leur dire aux gardiens de ne pas faire ça? Et lui, il a relancé dans l'axe, il n'a pas vu Thomas Müller et hop, tranquillement, ça finit au fond. D'erreur impardonnable pour un gardien de n'importe quel niveau, il faut surtout pas relancer dans l'axe quand il n'y a pas d'attaquant adverse, d'accord, mais là il y en avait deux qui traînaient et ça finit au fond pour Thomas Müller. Et ça va les booster les Allemands, ce genre d'erreur, ou les Espagnols qui se font cueillir à froid dès le début du match après leur 7-0 face au Costa Rica. Là ça va faire mal au moral et surtout à l'orgueil. Là, quelle erreur de Unai Simon. Le match va être plié, bien sûr, on vient juste de commencer. Mais déjà, une bonne pression du côté des Allemands qui vont montrer aux Espagnols qu'ils ne sont pas morts. Attention avec Pedri, c'est le ballon pour Asensio. Asensio, Pedri, l'égalisation! Tout de suite, les Espagnols! Certes, ils se sont fait surprendre il y a 2 secondes, mais c'est pas de raison! Pas de raison, Pedri, hop, il remet les pendules à l'heure tout de suite. L'Espagne veut se qualifier dès ce soir pour les demi-finales. D'ailleurs battu, comme ça on voit les deux gardiens n'ont pas fait d'arrêt. Et voilà, ça fait partout. Le match est déjà relancé quelques secondes après l'ouverture du score allemande. Ce match promet d'être spectaculaire et on l'espère dans le bon sens. Müller, Musiala. Goretzka, Müller avec personne, c'est bien défendu par Torres, Asensio, Pedri,
Asensio. Excellent long pour Anthony Olmo. Oh, il a pas raté son centre. Pedri, Olmo, Pedri. Pedri va y aller, bien contré par Kerrer et penalty pour l'Espagne. Ah ben voilà, il a fallu que je le dise pour que Tino Kerrer fasse apparemment une main. Ah ben décidément. Et oui, la main, il n'y a rien à dire. La grosse erreur du défenseur du PSG. Aïe 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 aïe. Ah, les Allemands qui commencent à commettre des énormes erreurs. Attention d'ailleurs face à Torres, et c'est dedans. Et Pau Torres qui offre l'avantage pour la première fois cette rencontre à l'Espagne. Non, Ferran Torres, pardon. Voilà. Égalisation rapide et une erreur défensive. Et l'Espagne repasse devant. Passe devant tout court. Et pour l'instant, élimine l'Allemagne dès la deuxième journée de cette Coupe du Monde. Ce serait un énorme coup du sort. Surtout, terrible contre-performance pour l'Allemagne. Ça ferait deux Coupes du Monde d'affilée que les Allemands ne passeraient pas les poules. Et ça, ce serait quand même assez étrange. Vu les mastodontes qu'il y a dans cette équipe allemande. C'est quand même très bizarre que ça ferait deux fois. Attention avec Torres. Pedri, donc c'est un ballon perdu par les Espagnols. Et un ballon rendu aux Espagnols par les Allemands. Asensio contré. Et les Allemands s'en sortent. Müller, Goretzka, Kimmich, Raum. Raum toujours qui a tenu le soutien. Goretzka, Müller, pour Gundogan. Et l'égalisation. Ilkay Gundogan, le milieu de Manchester City. Ce match est loin d'être terminé. Les Allemands ne veulent pas rentrer à la maison dès ce soir. Non, pas question pour la Nationalmannschaft. Ilkay Gundogan, une superbe action collective. Et ça fait deux buts partout dans cette rencontre. Toujours pas d'arrêt du côté des gardiens. Eh bien, décidément. Et voilà Ilkay Gundogan qui remet les pendules à l'heure. Espagnol peut leur montrer qu'il ne veut surtout pas rentrer chez lui dès ce soir. Oui, vous allez me dire, restera un match, mais qui ne servirait à rien. Olmo, ce match est complètement fou. 4 buts en 10 minutes et 2 buts des deux côtés. On s'attendait à un match compliqué, et bien c'est le cas pour les deux équipes, et ça c'est plutôt beau à voir. Müller, Gnabry, Souleux. Gagne, Gnabry, et non, il ne passera pas à bonne défense avec la porte. Pedri, Asensio, Pedri, oh, la belle date pour Olmo, ça peut suffire pour l'attaquant du Red Bull Leipzig. Wow, la frappe de Torres s'est dégagée. Il aura assez de mal sport, Leipzig, pardon. Et regardez-moi ça. Et c'est Rudiger qui est sur la trajectoire du ballon. Félicité par Niklas Süle. Il dit merci poteau pour éviter la catastrophe. Mais attention, le corner de la Rora. Et le joueur de avec Olmo. Garcia. Busquets. La porte. Et le bon tacle de Gundogan. Les Allemands peuvent aller chercher le contre. Müller. Müller toujours qui a tenu de soutien, il n'y a personne. Goretzka. Gnabry pour Gundogan, ça va vite du côté allemand. Et le doublé d'Ilkay Gundogan. Le milieu de Manchester City. La police en dernier mot, l'Allemagne passe pour la deuxième fois devant dans cette rencontre. Attention, les Espagnols vont peut-être se faire remonter les bretelles dans les vestiaires à la mi-temps si ça continue comme ça. Toujours zéro arrêt du côté des gardiens, que ce soit Simon ou Müller ou d'ailleurs. C'est pas très rassurant pour la suite, pour ce match en tout cas. Et voilà, 20 minutes et 3 buts à 2 désormais pour l'Allemagne. Évidemment, les Espagnols peuvent évidemment revenir tout de suite, mais les Allemands sont plus déterminés que jamais dans cette Coupe du Monde après la défaite contre le Japon.
Japon qui a perdu d'ailleurs face au Costa Rica ce matin. Ça peut leur permettre de se rétablir aux Allemands de la meilleure des manières. Comme ça, tout le monde aurait 3 points dans ce groupe, ce serait complètement fou. L'Allemagne aurait 3 points, le Costa Rica aussi, l'Espagne aussi, l'Allemagne aussi, tout le monde sera à 3 points. Et là, et coup franc pour l'Allemagne. Ça donnerait une troisième journée complètement folle avec tout le monde au même point. Et tout le monde à 3 points. Donc celui qui est les équipes qui perdraient lors de la dernière journée, si jamais ça peut arriver, seraient éliminées. Alors que les deux équipes qui gagneraient, elles seraient qualifiées, bien entendu, pour les huitièmes de finale. Et le coup franc pour bon, jouer à la fin, forcément. Donc, la frappe tout de suite, Gundogan. Ça passe au-dessus. Monika Gundogan. Alors, voyons, c'est complètement raté ce coup franc de la part du milieu de City. Et oui, il s'en veut, il le sait. C'est l'occasion jamais de faire le break pour respirer un peu plus dans cette rencontre, mais malheureusement non, pour l'Allemagne qui n'est toujours qu'un seul petit but d'avance face à la Roura espagnole. Alba. Pedri. Gabi. C'est le ballon pour Carvajal. Il attend patiemment que quelqu'un vienne l'aider. Gabi Asensio, non, c'est bien défendu par Souleux, et c'est pour d'ailleurs. Kimmich, Rudiger, le gros ballon pour de Rudiger, pour Gundogan, Abelouche pour Gnabry, bien défendu par Alba. Pedri, Gavi, c'est le ballon pour Asensio, la bonne défense de Kerrer qui dégage. Busquets, contré, et Müller qui récupère ce ballon, Musiala, Müller, Musiala, Gundogan, Müller, Musiala, Raum. Goretzka, Müller, et tout seul à l'intervention, et c'est pour Gavi, Asensio, Torres, Gavi, Torres, Hugo, Gavi, Gavi toujours avec le bon ballon pour Torres, la bonne défense de Rudiger, Goretzka, Müller, Kimmich, Goretzka, Gundogan, Goretzka, Gundogan, Kerrer, Gnabry, bon ballon pour Souleux, qui peut déborder, il n'y a personne pour l'arrêter, Niklas Souleux, le défenseur du Dortmund, l'ancien de Bayern, il ne faut pas l'oublier, ballon perdu avec Olmo, bon, on va y aller, Pedri, Asensio, Busquets, Gavi, Torres, bon ballon pour Asensio, qui essaie de crocheter les deux, et bien on s'est raté. Rudiger qui récupère cette passe. Il a voulu crocheter Manuel Neuer, Marco Asensio, mais c'est raté. Il a perdu le ballon. Müller. Le bon ballon pour Musiala. Donc c'est bien défendu encore. Carvajal. Gavi. Asensio. Le bon ballon. Cette fois-ci pour Ferran Torres. Excellent retour de Rudiger encore. Ah, un corner pour la nationale, pour la Roura. Espagnol qui veut évidemment revenir au score, s'offrir une potentielle première place qui pour l'instant leur échappe. C'est les seuls qui ont gagné leur premier match, ils pourraient en avoir 6. Le corner avec Olmo, le bon projetage, on apporte. Gavi, Gavi! Et la parade de New York, Asensio, la reprise! Et l'égalisation de Marco Asensio! D'ailleurs, encore comme face au Japon, avait détourné le ballon dans un premier temps, mais après ça avait suivi parfaitement derrière, et la défense nous a balayé absent, et ça fait 3 partout, l'Espagne qui recolle aux Allemands, pour avoir été derrière pendant un petit moment, mais les Espagnols n'ont jamais dit leur dernier mot. Ça fait 12 ans que l'Espagne est... que l'Espagne n'a pas été champion du monde depuis l'Afrique du Sud il y a 12 ans, oui. Ça fait un bon moment que les Espagnols essayent d'aller chercher une deuxième étoile. Attention, mais Gundogan. Ouh, le bon tampon. Il n'y a pas de faute, même si les Allemands réclamaient quelque chose. Asensio. La belle louche pour Torres. Ballon perdu. Finalement, non. C'est pour Carvajal. Busquets. Gavi. Non, lui ne fonctionnera pas. C'est bien défendu. D'ailleurs.
qui n'a fait qu'un seul arrêt dans ce match pour l'instant. Ça n'aura pas suffi pour empêcher l'égalisation espagnole. Diabri. Le ballon pour Hugo Gundogan. Il est tout seul, Hugo Gundogan. Il doit attendre la personne de la surface. Sous le. Diabri, sous le. Kimmich. Kimmich. Non, ça ne passe pas. C'est parfaitement défendu encore une fois. Asensio. Torres. Asensio. Non, c'est pour les Allemands. Kimmich. Müller. Müller, il est passé face à Garcia. Et ça ne passera pas, bien défendu avec Simon. Il doit surtout pas encore, voilà, il a compris, pour refaire la même bêtise qu'au début de match. Il a compris que le relancer dans l'axe c'est une mauvaise idée, il va falloir refaire deux fois, attention Müller. Non, ballon perdu. Pedri. C'est Thio parfaitement lancé. Et il va pas facilement repris par Thilo Kerrer. C'est un peu trop solo bon là, Pedri sur ce coup-là. Diabri. Il y avait le coup de Dogan, du Müller, Diabri. Le centre dégagé par les Espagnols. Oula, attention, la mauvaise relance. Diabri, Goretzka, qui aurait peut-être pu frapper avec Musiala qui est tout seul. Et le but de Jamal Musiala. L'Allemagne repasse encore une fois devant pour la troisième fois dans cette rencontre. Toujours pas d'arrêt pour Unai Simon, c'est pas rassurant. Les Allemands qui veulent évidemment éviter l'élimination du deuxième match. Ils font tout ce qu'il faut, les Allemands, pour rester en vie dans cette Coupe du Monde. Mais si jamais ça devait arriver, tout le monde serait à 3 points dans ce groupe. Ce qui est rare pour être souligné que tout le monde ait le même nombre de points lors de la dernière journée. Et bien oui, encore une fois, le gardien espagnol est le plus mauvais élément ce soir. Dans cette rencontre, oui, forcément, contre le Costa Rica, il n'avait rien eu à faire. Et là, c'est pas du tout la même chose. Là, c'est peut-être temps de faire un peu de coaching du côté espagnol parce que le gardien est une véritable passoire du côté espagnol. Olmo. Busquets. Asensio. Asensio qui résiste avec Olmo maintenant. Asensio toujours. Olmo, Alba, Olmo avec Asensio qui ne peut pas frapper les contrées, il récupère le ballon, et finalement le perd, bonne défense des Allemands, Müller. Oh le bon tacle, il n'y a pas faute, et Gavi qui ne se précipite pas, Pedri, Busquets, Gavi, Pedri, Pedri, contrée, mais qu'est-ce qui se passe, coup franc pour l'Espagne. Une main, mais heureusement cette fois-ci pas dans la surface. Heureusement pour les Allemands plutôt. Les Espagnols évidemment ont bien voulu avoir un deuxième pénalty, mais ce ne sera pas le cas. Asensio pour le coup franc. L'attaquant du Real Madrid. Asensio, c'est dans le mur. Et Kimmich qui va dégager. Et c'est l'habitant ici à l'Allianz Stadium. Et 4 buts à 3 pour l'Allemagne. Pour l'instant, l'Allemagne serait toujours en vie avec cette victoire. Kai Gundogan, le meilleur joueur allemand pour l'instant. 2 buts en 3 frappes. Contre, c'est quand même très inquiétant. Statistique de l'Espagne avec aucun arrêt pour Unai Simon. Alors qu'au moins Müller en a fait 1. C'est vraiment pas rassurant du tout. Coup d'envoi de cette seconde période, tout l'origine du suspense reste entier pour l'instant l'Allemagne serait encore en vie de cette Coupe du Monde avec cette victoire. L'Espagne évidemment va tout faire pour aller arracher le nul ou la victoire pour éliminer les Allemands une bonne fois pour toutes. Pour l'instant, ils doivent courir après le score les Espagnols. Après un match plus de très facile face au Costa Rica, attention Gavi. Olmo, Pedri qui peut frapper. Oh, Asensio ! Et d'entrée de jeu, l'Espagne recolle aux Allemagne, 4 partout. Ça a été trop vite pour les Allemands et ça a été parfait de la part des Espagnols. Hop, une, deux passes et Müller, Neuer qui ne peut strictement rien faire, ça va trop vite.
bon, c'est le plus grand ouvert Marco Asensio qui s'offre à doubler l'attaquant du Real Madrid. Et forcément, les supporters espagnols qui redonnent de la voix de plus belle. La sortie déjà de Gavi. L'entrée de Koke. C'est bien ça, c'est Koke qui est entré. Et le match est une nouvelle fois relancé. 4 partout. Le match est complètement fou. Et là, l'Allemagne redevient et quasiment de nouveau éliminée. Évidemment, les arrangements plus qu'une défaite. Puisque dans cette défaite, ça serait terminé. Annule l'espoir encore dans la course aux Allemands. Kimmich. Et après, Goretzka, Müller. Müller qui attend trop, mais qui marque quand même. Et Thomas Müller qui s'offre à doubler lui aussi. Toujours pas d'arrêt pour la Simon. Il aurait peut-être fallu changer de gardien à la mi-temps là, parce que là, c'est une catastrophe. Et Thomas Müller qui redonne encore une fois l'avantage à l'Allemagne pour la 4e fois de la partie. Et voilà, ça fait 5-4. 9 buts inscrits dans cette rencontre, c'est complètement fou. Regardez-moi ça, Simon qui est beaucoup trop court. Et Thomas Müller qui vient faire taire tous les supporters espagnols qui redonnaient de la voix de plus belle. Et ben non, Müller a dit non. Et ça fait 5 pour l'Allemagne et 4 pour l'Espagne. L'Allemagne ne veut pas rentrer à la maison, ne veut pas recommettre le fiasco de 2018 en Russie. Elle se fait colmo. Faire taire tous les Allemands et corner pour l'Espagne. Le but de Thomas Müller, 100% pour l'instant de réussite pour l'attaquant du Bayern. Le frappe de but, on ne peut pas faire mieux. Au niveau de l'efficacité, le corner de Marco Asensio qui cette fois-ci tout seul, personne ne vient demander à jouer à deux. Et c'est directement dans les gants de Neuer. Deuxième arrêt pour Neuer. Alors que son homologue espagnol n'en a toujours pas fait un seul. Dans cette rencontre, c'était très 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 peu rassurant. Pour la suite de la compétition. Musiala. Et enfin l'arrêt pour Unai Simon, mais il était hors jeu, Jamal Musiala visiblement. Donc je ne sais pas trop si on peut le compter cet arrêt. On va dire que oui, parce qu'on est gentil. Enfin, l'intervention décisive d'Unai Simon. Parce que depuis le début, c'est vraiment pas son jour. Au gardien de l'Athletic Bilbao, Garcia. Carvajal, Torres, Torres toujours avec Colmo maintenant, Alba, Torres, Alba, Asensio, Pedri, donc c'était bien fait, attention d'ailleurs que je mets le feu, mais il s'en sort, il était sous pression le gardien du Bayern, mais il se l'est sorti, et qu'est-ce qui se passe, mouvement. Compris, faute sifflée alors qu'il semblait rien se passer. Je peux voir l'arbitre a vu quelque chose. Marco Asensio qui va pouvoir chercher dans la surface un partenaire avec ce coup franc. Le coup franc est repoussé et la bonne sortie de Neuer. Aucun problème pour le gardien du Bayern Munich. 3 essais barrés. Raum. Musiala. Dogan, Müller, Goretzka, Dogan, enfin le premier arrêt d'Unai Simon dans ce match. Il a fallu du temps, il aura fallu attendre une heure de jeu pour que le gardien espagnol se réveille. Müller est directement sur la porte, ce ballon Asensio et l'interception derrière Goretzka. Musiala, Goretzka. Musiala encore avec Kimmich. Musiala! Et la parade de Simon. Enfin, le gardien espagnol est dans le match. Il aura fallu du temps. Il aura fallu attendre 60 minutes pour enfin être en forme. La sortie de Jamal Musiala, l'entrée de Leroy Sané. Un joueur du Bayern qui remplace un autre. Corner pour la National Mannschaft avec Gabriel.
le tacle. Kimmich le centre avec Salé. Diabri. Il peut pas faire grand chose, il y a trop de monde devant lui. Kimmich. Salé. Kimmich. Salé encore. Le centre avec Diabri contré. Et c'est finalement dégagé. Les Espagnols peuvent souffler. Le bon ballon pour assez de sous. C'est pas assez long. Ballon trop facilement récupéré par les Allemands. Doreska. Müller. C'est pour Salé. Le ballon pour Leroy Salé. Müller. Contré. Et la porte qui dégage. Koke. Olmo. Pedri. Alba. Que personne n'a vu venir. Alba toujours qui attend. Il déborde. Oh, le bon crochet sur Niklas Süle. De Jordi Alba. Olmo. Pedri. Busquets. Asensio, Koke, et ça passe juste à côté pour Koke. La sortie de Marco Asensio, l'entrée de Pablo Sarabia, le Parisien. L'égalisation espagnole était toute proche. Ah non, il y avait un coup franc d'abord. Donc même s'il y a eu but, il aurait été refusé. Sous le Müller, Goretzka. Logan qui fait littéralement ce qu'il veut, sous le. Diabri, Müller, on le prend 2 avec Diabri qui peut frapper directement dans les gants d'Unai Simon. Ah, ça devient de moins en moins tranchant les attaques allemandes. Peut-être que c'est enfin Simon qui est enfin dans son match. Sarabia, Pedri, le bon ballon pour Olmo, Koke. Qui était tout proche de l'égalisation à quelques instants. Olmo. Il va tout seul, Dani Olmo. La foule a failli se faire découper en deux. Heureusement qu'il a raté son tacle, le défenseur allemand. Donc c'était une pénalty assurée. Alba, Olmo. Alba, Olmo. Le centre pour Sarabia qui ne peut pas frapper, qui a voulu leur donner. Rudiger a contré, était en train de tenir du ballon. Ballon perdu par les Espagnols. Sous le coup de Gann. Diabri, Gundogan. Gundogan toujours. Kimmich. Kimmich avec Goretzka. C'est encore dans les gants de Simon. Garcia. Pedri. Olmo. Alors que l'approche du dernier quart d'heure, toujours 5 buts à 4 pour l'Allemagne. Ce sera bien. Défendu par Rudiger avec Neuer qui ne doit surtout pas commettre l'erreur. Il joue un peu trop facilement Neuer, mais heureusement pour lui, personne n'était là. Côté espagnol, Rudiger qui jouait plutôt dans la surface et le ballon perdu par Rudiger. Attention, mais Koke, Olmo et l'égalisation de Dani Olmo dans le dernier quart d'heure. Le match est encore une fois relancé. C'était une relance catastrophique d'Antonio Rudiger qui a joué trop facile et les Espagnols ne pardonnent pas ce genre d'erreur. Non, c'est pas la faute de Neuer, non, c'est bien Rudiger qui a fini dans la boulette en voulant relancer trop facilement. Et Dani Olmo qui redonne pour l'instant la première place à l'Espagne dans ce groupe et qui remet encore une fois l'Allemagne sur la sellette alors que les Allemands ont mené au score depuis un bon moment. L'erreur défensive de Rudiger, et voilà, et tout est à refaire pour les Allemands qui tenaient un bon résultat. Et voilà, il suffit d'une erreur pour tout recommencer sur Gundogan et la parade de Simon et le corner pour l'Allemagne. Et oui, il est furieux, Gundogan, il voulait son troisième but, il nous voulait pour faire repasser l'Allemagne encore une fois devant pour arracher cette foutue victoire qu'il ne veut pas. On tend les bras pour le moment. Allemands. Le match n'est pas terminé, il reste encore un gros quart d'heure, peut-être un peu plus. D'abord un changement. La sortie de Sergio Busquets, c'est l'entrée de Marco Llorente, un joueur du Barça, du Real qui remplace un joueur du Barça. Et le corner pour la National Mannschaft. On ne joue pas deux, c'est tiré directement, c'est repoussé, ça revient sur route. Non, ça revient sur personne, c'est pour les Espagnols. Olmo. Alba. Alba toujours. Alba qui est complètement seul sur l'aile. Personne ne le stoppe.
Olmo qui a tenu l'ouverture. Sarabia et l'excellent retour de Kerrer. Gnabry sous le. Qui s'échappe. Müller avec Goretzka et la parade de Simon, c'est pas terminé avec Gnabry. Gundogan et la parade encore de Unai Simon. La sortie de Niklas Süle, l'entrée de Nico Schlotterbeck, un défenseur de Dortmund qui remplace un défenseur du Bayern. Ah, une fois qu'il est dans son match, Unai Simon, il est bien meilleur que quand il n'est pas du tout. Gnabry. Et Müller maintenant, où le centre s'est contré et s'est dégagé derrière. Ça va peut-être revenir. Non, si c'est. Non, faute. Faute de Gundogan, visiblement. Que ce soit l'inverse. Il est où le ballon? Non, c'est l'inverse. Franc pour l'Allemagne. Très précieux celui-là. Il reste moins de 10 minutes à jouer et 5 partout désormais. L'Allemagne qui veut évidemment sa victoire pourrait encore rester plus en vie dans cette Coupe du Monde. Gundogan avec Sané. Sané, le centre s'est dégagé. Voilà la défense espagnole avec Sarabia. Torres, mais bon, l'excellent Deis van de Rudiger qui se rattrape de sa roulette de tout à l'heure. Müller, Sané, le centre pour Goretzka contré et Lyon ET qui va dégager. Olmo, Torres, Sarabia, Pedri, Alba, Pedri, Olmo, Pedri. Henry, Sarabia, et c'est défendu par Rudiger encore. Sané, Goretzka, Raoum, Sané, bonne défense de Carvajal, Torres, Garcia, Llorente, Torres, ok. Sarabia, le gros ballon pour Carvajal. Alors qu'on arrive, on va arriver bientôt dans le temps décédé, toujours 5 partout. Attention avec Olmo. Sarabia, c'est le moment que j'avais pour les deux équipes de s'imposer. Il n'y a plus de but de retard. Attention à Sarabia, la parade de Neuer qui laisse l'Allemagne en vie dans cette rencontre et surtout dans cette Coupe du Monde. Parce que si je devais prendre un but maintenant, ce serait terminé pour l'Allemagne. Il est trop fier de lui d'ailleurs parce qu'il laisse l'Allemagne dans cette Coupe du Monde encore en vie. Le corner de Ferran Torres, la tête d'Olmo et encore la parade de Neuer. Il ne veut pas rentrer chez lui, Manuel Neuer. Non, il veut rester au Qatar. La superbe tête de Dani Olmo, mais Neuer aussi. Sa détente est parfaite. Corner pour la Rora. L'Espagne qui pousse, elle veut éliminer l'Allemagne, mais l'Allemagne ne veut pas sortir. La tête encore! Encore la parade de Neuer! Cette fois-ci, c'était. C'était Asensio? Non, c'était pas du tout Asensio. Cette fois-ci, c'était Carvajal. Qui était à la réception de ce corner. Corner encore, et directement dans les corps de Neuer cette fois-ci. Trois corners, trois pour Neuer. Raoum, l'Allemagne va-t-elle réussir à s'imposer? Où est-ce qu'on va rester là? On va bien voir ça tout de suite avec Gundogan. Et non, il y a un jeu trop personnel. Alors qu'il y a du monde sur le côté pour Gundogan, et ballon va être trop perdu. Attention, le bon tacle de Schlotterbeck, mais Olmo est quand même passé. Olmo toujours. Pedri, Llorente, la parade de Neuer encore. Oh, quel détente de Manuel Neuer dans cette fin de rencontre. Oh, quel frappe le magistral de Marcos Llorente, mais Neuer aussi là. Il ne faut surtout pas prendre ce but, sinon ce serait terminé pour les Allemands, cette Coupe du Monde.
comme il y a 4 ans, il serait éliminé dès le deuxième match, et ça, ce serait cruel. Ça soit le corner, la tête. Contré, ça revient sur le bon, c'est contré encore. Oh non, et le penalty pour l'Espagne. Oh non, ça se fait pas s'il fait penalty comme ça. Oh non, monsieur l'arbitre, ça ne se fait pas. Oh bah oui, mais oui, il y a main de Goretzka, mais quelle erreur. Oh là 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 là, et voilà. Erreur à pas faire. Torres pour le pénalty de la victoire et de l'élimination de l'Allemagne. Et c'est arrêté par Neuer. Attention Torres. Mais non, pas deux fois. Mais c'est pas vrai. Deuxième pénalty consécutif pour l'Espagne. Oh non, mais là ça se voit quand même. Non mais c'est n'importe quoi là. Qu'est-ce qui s'est passé? Au revoir, là. D'accord, c'est Raoum qui se fait faucher, c'est lui qui fait la faute. Tout va bien. N'importe quoi. Ah, penalty plus que scandaleux. Voilà, par contre. Non, bah là, c'est n'importe quoi. C'est Raoum qui se fait faucher, c'est lui qui fait faute. C'est bien connu. Et non, c'est encore pour d'ailleurs. Heureusement, il y a une justice. Et c'est terminé. Match nul. 5 partout entre l'Allemagne, entre l'Espagne et l'Allemagne. Jordi Alba est dépité. Ils vont éliminer les Allemands. Les Allemands sont encore. Oh oui, dans cette Coupe du Monde, l'Espagne a 4 points, l'Allemagne en a 1. Donc ce groupe est encore en vie. Donc ça ferait 4, 3, 3, 1 pour les points. Ce qui serait bien mieux pour les Allemands. Qui étaient au pied du mur depuis le début. Avec ce match depuis leur défaite face au Japon. Donc voilà, on s'arrête là. Et on se retrouve demain pour les autres matchs de la Coupe du Monde. C'était bonne soirée et à demain. Salut tout le monde!